Bonjour les amis, comment contrôler, vérifier si les mots-clés que vous avez choisis pour votre vidéo est bon ou pas, ok? Donc je vais vous montrer, là nous sommes sur YouTube, là c'est moi, et puis je vais chercher ma chaîne. Alors ma chaîne c'est hashtag partage. Voilà, c'est là. Et bien entendu, voilà. Normalement, comme j'ai travaillé dernièrement, j'ai envoyé beaucoup de vidéos. Là, je suis classé parmi les premiers sur le nom hashtag partage. Voilà. C'est moi là. Bon, ça c'est quelqu'un d'autre. Moi, quelqu'un d'autre moi. Quelqu'un d'autre, moi, voyez. Donc, c'est seulement pour vous montrer que je suis content de ce que je suis en train de faire dernièrement, et puis que ma politique de diffuser, de publier mes vidéos, ça commence à marcher. Donc, pour entrer dans ma chaîne, je clique droit, et puis je vais entrer dans ma chaîne. Ok, alors ça commence déjà. Alors, vous voyez cette vidéo, c'est la phrase qui tue. Elle dure 2 minutes 37. Pour la faire, j'ai dû installer tout mon texte dans la description et puis beaucoup de choses. Je vais certainement vous montrer comment il faut télécharger et mettre le plus d'ingrédients possible pour que vous puissiez être correct, au moins, ok? Donc, cette vidéo-là, elle a 2 minutes et demie, je viens de l'envoyer, elle n'est pas très très... je sais pas si Bon, il y a 7 heures, non, il y a 7 heures, il y a quelqu'un qui a envoyé message. Alors, vous avez sur le côté droit, si vous avez par exemple Social Blade, c'est un site qui s'occupe des statistiques de tout le monde. C'est bien de l'installer parce qu'il est vraiment très très bon. Je vais aussi préparer certainement une vidéo là-dessus. Et il donne déjà, un certain nombre d'informations sur moi. Je suis pour le moment Total Grade C, c'est pas A ni B, donc je suis classé mondialement 14 millionième, parmi les 7 milliards, 8 milliards, c'est bon. Et puis mon rang de les abonnés, c'est je suis à 7 millionième à travers le monde, comme je viens de commencer. Bon, je pense que ça progresse petit à petit. Et petit à last, les derniers 30 jours, c'est les 22, seulement 22 abonnés que je viens de m'acquérir. Et là, les vues, les 30 derniers jours, les vues, c'est presque 5800. C'est en baisse d'ailleurs, et puis ça, c'est en je monte. Et pour la moyenne journalière, je gagne un chaque jour, je gagne un abonné par jour. Ben, je fais rien du tout pour vraiment le susciter. Et puis aujourd'hui je viens d'avoir un justement. Alors pour la moyenne des vues c'est 196 par jour. Et puis bon, il y a d'autres choses qu'il faut, mais ça c'est pour vous parler de Social Blade. Social Blade, là, il montre ici mes tags, les tags que j'ai placés dans cette vidéo de 2 minutes 37, la phrase qui tue.
Alors, je vais certainement vous montrer comment j'ai installé la miniature. OK? Alors, ça c'est mes tags. Voilà, toutes les tags. J'en ai pas mis une tonne. Et puis, il y a autre chose. Il y a autre chose. Et encore, on reprend. Et là, c'est au niveau du rendu, enfin, de la note que j'ai, au niveau de la SEO. Mon score, c'est 60%, c'est pas mal, c'est pas mal. Je ne suis pas au top, mais c'est pas mal. Mais je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors, vous voyez ici, vous allez encore retrouver mes tags, OK? Et là, bon, si vous voulez vous copier, c'est copier ici, ou bien ici, montrer la recherche de ce que vous avez. De ce que j'ai installé. Si je clique là-dessus, il sort avec des notes. Et ces notes, normalement, ça bouge pas tout. Quelquefois, ça bouge. Mais je sais qu'au niveau du partage, je suis classé deuxième dans la recherche YouTube. La phrase qui tue, je suis classé troisième. Ceux qui ciblent des millions d'abonnés se trompent, je suis classé premier. Et ceux qui ciblent le trafic qualifié ont raison, je suis premier. Vous voyez comment je choisis mes tags. Le nombre d'abonnés n'est pas important, je suis classé huitième, donc ça va pas vraiment montrer quelque chose c'est pas aussi important, mais quand même deuxième, premier, voilà. Attirer le trafic qualifié deuxième, et puis attirer le trafic qui achète le premier, attirer le trafic qui vous reste fidèle pour toujours premier, et les autres normalement c'est pas ils ne sont pas normalement, il faut les changer. Vous voyez l'histoire. Alors je vais essayer de sortir maintenant pour vous montrer quelle miniature j'ai mise. OK? Déjà, au niveau du titre, la phrase qui tue, je pense qu'elle va très bien. Elle est vraiment, moi je trouve que c'est une phrase qui est excellente, parce que bon, ça suscite les gens d'aller voir la vidéo. Bon, pour ça, je vais chercher un autre logiciel, c'est TubeBuddy. C'est un peu similaire à Social Blade. Je clique. Et j'ai un menu qui parle de beaucoup de choses. Bon, le dashboard, le tableau de bord, les vidéos, playlists, tout ça. Bon, un jour, je vais consacrer aussi rien que pour ça, je vais consacrer un truc. Voilà. Alors, je vais voir mes vidéos. Mes vidéos, et nous allons voir la miniature, comment elle est faite. Voilà. Voilà la phrase qui tue. J'espère que ça fait, non, ça ne donne pas, ça ne fait pas, ça ne grossit pas l'image. Mais si vous voulez, voilà, on voit qu'il y a l'ombre d'une main qui indexe un gars qui a peur. Donc c'est ça. Et puis il y a presque rien que trois couleurs, noir, presque noir, rose et blanc. Et c'est ça ma vidéo. Okay? Bon, normalement, je suis parti de la vidéo. Maintenant, je dois quand même montrer autre chose. Donc, pour vous montrer un autre truc, pour voir si mes mots-clés sont valables, mes tags, je viens ici. Et puis, il y a, ça c'est pour montrer ce qu'il faut de la vidéo, ça c'est pour le commentaire, ça c'est pour les statistiques et ça c'est pour les détails. Alors je vais dans les détails, ok, ce crayon. Je clique et je suis dans ma page où j'ai fait mon montage quand j'ai installé cette vidéo. Voilà, ici vous voyez mieux, hein, ok? Voilà. Elle est quand même assez simple, la phrase est belle, l'accroche est belle, et puis il y a une petite notice là, la vérité, sur le nombre, bon j'ai oublié le, sur le nombre des abonnés. Bon,
Là, bien entendu, il y a le titre et là, c'est le texte, tout le texte. Là, on installe ici la miniature. Ici, c'est la playlist, mais j'y reviendrai. Moi, je suis en train de... Voilà. Alors, je retrouve mon petit truc là, il est beaucoup plus complet. Alors, la partage, ici, je suis à deuxième, et puis ici, deuxième, premier, troisième. Ce qui veut dire que quand j'ai, par exemple, ce cercle plein vert avec un chiffre, c'est que, par exemple, là, travailler moins, normalement, ça vaut rien. Comment procéder pour vraiment changer les mots-clés qui ne marchent pas? Par exemple, gagner bien sa vie. On peut changer, gagner bien sa vie. On peut changer ce qu'on veut pour le remplacer par autre chose. Et là, normalement, nous avons ici des propositions. C'est YouTube qui nous donne des propositions. Alors, il nous donne, par exemple, comment bien gagner sa vie sans diplôme. Mais il faut quand même choisir le meilleur, partager le monde, le meilleur qui va avec votre sujet, ok? Le sujet de la vidéo. Partager en pain du Seigneur, non, c'est pas ça. Partager écran, téléphone, non, c'est pas ça. Mais il y a cette possibilité de choisir, voilà. Il y a, par exemple, ça c'est la redevance, ça c'est les keywords, ok? Bon voilà, ben, il vous propose et puis parfois, ils donnent de meilleurs résultats qu'ici, je l'avoue. Hein. OK? Maintenant, je vais sortir je vais aller voir un autre truc. Par exemple, là où il y a, par exemple, gagner bien sa vie, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, il y a un autre truc. Et cet autre truc, on va le trouver dans TubeBuddy. On revient sur TubeBuddy. Bon, je vais bien sûr sortir d'ici. Et je reviens sur TubeBuddy, il est là. Je clique. Et puis, là, j'ai Keyword Explorer. Ça, c'est pour explorer les tags. Qu'est-ce que j'ai dit? Gagner bien sa vie, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas. Mais là, bon, voilà. J'appuie ici. Je clique ici. Bien gagner sa vie. Bien gagner sa vie. Alors, bien entendu, là, je sais pas pourquoi il explore, et il va vous donner un résultat. Ça, voilà, c'est pauvre, vraiment, c'est pauvre. Bien ça, gagner sa vie. Sur Internet, je vais ajouter sur Internet. Je sais pas pourquoi. C'est déjà, je suis à 60%. Je copie ça comme ça. Si je, alors j'ajoute, je vais ajouter comme je vous ai dit. Ça, on ajoutait comment bien gagner sa vie. Là, je suis à 60%. Ça marche pas. Comment ça marche pas? C'est extraordinaire. C'est la première fois que je remarque, je fais cette remarque. Mais ben, je vais revenir sur voilà, sur Internet. Et puis bon, je vais prendre là. Il m'a donné un bon résultat. Et je vais revenir sur le truc là que nous venons de quitter. Ok, je quitte ici. Et je reviens ici à ma... Voilà, ici, c'est on est là. Tac. Et je reviens à mes tags. Les tags. Alors, c'est... Voilà. Bien gagner sa vie, je balance. J'ai plus ça. Mais j'ajoute, je colle le dernier tag que je vérifie. Voilà, il est là. Et puis, certainement, il va être... peut-être, est-ce que c'est sur le champ ou pas? Je vais essayer d'actualiser pour voir si ça va changer.
Sinon, ça prend un peu de temps pour que YouTube peut juger de sa valeur. Ok. Voilà, bon, voilà. Il le classe, déjà, il le classe. Non, c'est pas ça. Bien gagner sa vie. C'est le business intelligent, bien gagner sa vie. Et bien gagner sa vie. Ah, j'ai pas. Oh. Voilà, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que je n'ai pas enregistré. Là, quand j'ai enlevé par exemple ça, bien gagner sa vie, que je vais remplacer par la dernière, bien gagner sa vie sur Internet, il faut aller ici pour enregistrer. Sinon, YouTube ne prend pas ça en considération. J'enregistre et voilà, je regarde, il ne donne rien. Je vais actualiser, j'actualise. Et puis, on va voir le résultat qu'il va donner pour le dernier tag que je viens d'installer. Oh là là, alors, surprise, surprise, surprise. C'est pas, c'est-à-dire qu'il est en train toujours de vérifier. C'est pas, YouTube n'est pas, je l'ai déjà essayé, YouTube n'est pas aussi rapide pour donner tout de suite sa note. Il faut qu'il le vérifie sur le total de toutes ces statistiques. Donc, c'est plus tard qu'il va sortir, mais comme YouTube dit, nous a donné déjà 60%, je pense que ça va être classé aussi bien que les autres. Voyez? Donc, c'est comme ça que vous pouvez vérifier vos tags. C'est avec, bien entendu, Blade, Total Compare. Social Blade, ok, avec Social Blade, c'est là. Alors, c'est Social Blade, c'est ici. Hein? Vous vous rappelez, pour refaire voilà, Social Blade, il n'est pas encore installé. Il n'est pas encore installé, le truc, il n'a pas encore installé. Voyez? Et puis, vous pouvez le faire avec ça. Ce que nous venons d'installer là, ici, Keyboard Explorer, c'est là où nous avons mis la fameuse phrase que nous avons cherchée pour explorer, et ça nous a donné 60%. Voilà, et finalement, le dernier que nous avons vérifié à l'intérieur à l'intérieur de ma chaîne YouTube, concernant justement ça, et il n'a pas encore installé, vous voyez. Voilà. Donc, on peut soit changer aussi, ça c'est 23e en termes de recherche, donc on peut aussi le changer jusqu'à ce que si on peut arriver à mettre partout des 1 partout, alors ça sera vraiment bien boosté au niveau des tags. Voyez, voilà, je pense que c'est un truc qui va vous apprendre certaines choses. Et pour installer, je répète, pour installer une vidéo convenablement, correctement, pas plus, parce que c'est beaucoup plus riche que ça. Donc, ben, je vais revenir avec une vidéo. Merci et à la prochaine.